Allô tout le monde, bon matin! Aujourd'hui, je suis dans un environnement différent. Je suis à San Diego. Puis, j'ai 24 heures. Donc, on a commencé hier soir. Mais hier soir, j'étais avec ma crew, fait que j'ai pas filmé vraiment, là. Puis, aujourd'hui, ben, j'ai jusqu'à 5 heures. Ben, 4 heures, disons. Là, il est 8h30, il est 45, genre. Fait que je m'en vais à Ocean Beach. C'est une place où j'avais été comme en 2014 parce que j'avais resté à San Diego une bonne semaine et quelques toute seule. J'avais découvert un peu San Diego. Après ça, j'avais été en 2015 avec mes amis. On avait été manger une pizza, genre, sur le bord de la beach. Fait que je vais vous montrer un peu. Ça a l'air de quoi, San Diego? Fait que j'étais à la beach, mais ça c'est comme une beach de surfeur. Fait que c'est pas elle que je pensais. J'essaie de me rappeler c'est quoi le nom de la beach, où ce que j'avais été avec mes amis pis tout. Pis comme c'était, je suis sûre que c'est Ocean Beach, mais genre peut-être plus loin. En tout cas, je vais marcher pis je vais essayer de trouver la beach. Pis là, j'ai vu des chiens parce qu'il y avait une dog beach. Pis motadine que je m'ennuie de mon babe Tyson. Fait que c'est ça, je vais continuer à marcher. Pis je vous dis si mes recherches ont été fructueuses. J'ai trouvé la beach que je voulais aller. Ça s'appelle Mission Beach. Sauf que, tu sais, comme l'avoir ça avant, j'aurais planifié un itinéraire pour y aller. Parce que là, je suis à pied. J'ai pas d'internet sur mon téléphone cellulaire. J'ai pas rien, tu sais. J'ai pas de données aux États-Unis. Fait que je sais pas quel bus prendre, puis ça risque d'être long. Fait que je vais juste retourner downtown au Convention Center. Puis la prochaine fois que je viens à San Diego, ben j'irai à Mission Beach. Faut vraiment que je retienne ce nom-là. On est présentement au puis il fait vraiment chaud, mais j'ai vraiment faim, puis j'ai peur de m'évanouir dans pas long. Fait que je vais aller manger parce que j'ai juste mangé un yogourt un matin. Puis j'ai faim. Puis ici c'est comme des petites boutiques souvenirs de surf pis tout. Fait que ben je peux vous montrer là. Fait que le désavantage d'avoir les cheveux longs, c'est que il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud ici. Il fait genre une vingtaine de degrés. Puis le matin en Cali, c'est toujours nuageux. Puis ça a toujours été pareil, là. Puis à midi, il commence à faire super, super beau. Puis je me rappelle en 2014, j'étais là, ah non, il fait pas beau aujourd'hui. Puis à midi, c'était genre, on crève. Fait que, en plus, j'ai des jeans. Fait que la prochaine fois que je fais ma valise pour un 4-day pairings, je pense vraiment que je vais mettre une paire de shorts, puis des t-shirts. Puis le soir, c'est frisquet, fait que je vais peut-être m'amener un manteau. En tout cas, si ça vous intéresse de voir comment je pack ma valise pour partir pour un 3-day pairing ou un 4-day pairings, vous me le direz.